cette première vidéo chez Acer, on va parler IA. Vous savez, c'est le gros focus de beaucoup de marques et aussi de Acer. On va donc vous présenter les nouvelles gammes Swift avec tout d'abord le Swift Go 14 qui va exploiter un processeur Intel Core Ultra en série 9, donc du Meteor Lake, donc un processeur qui va intégrer un NPU pour pouvoir profiter du AI Boost. On est sur une dalle en 14 pouces, 16 dixièmes, 2,8K en OLED avec absolument tout ce qu'il faut aujourd'hui comme le Wi-Fi 7, le stockage en SSD. On est sur une machine entièrement en aluminium avec un design ultra fin. On est sur 1,4 cm, le poids est ultra léger et on va avoir des fonctions un petit peu spécifiques comme le touchpad qui va intégrer directement par exemple des raccourcis multimédia. Au niveau de l'intelligence artificielle, on va retrouver bien sûr la compatibilité complète avec Microsoft Copilot qui va permettre d'avoir des fonctions spécifiques, mais on va également avoir le Acer Sense. Le Acer Sense, c'est aussi l'utilisation du NPU qui est à l'intérieur du CPU pour des applications spécifiques par Acer. Donc, on peut vous donner un exemple, on peut vous montrer par exemple l'utilisation de la caméra qui ici va exploiter le flou à l'arrière. On va avoir le zoom directement sur la personne qui va parler. Donc si je me rapproche, ça va refaire le point sur moi normalement. Et on a ici, comme vous pouvez le voir, dans le panneau de configuration, on a justement l'utilisation du NPU qui est faite. On va avoir 35% du NPU qui va être utilisé pour ces tâches-là. Et comme ça, on va avoir toute la puissance en fait du processeur qui va être dédiée aux tâches autres, aux tâches qui vont demander beaucoup plus de performance. À côté du modèle en 14 pouces, on va également retrouver le Swift Go en 16 pouces. Donc, on retrouve encore du Core Ultra 9 en Meteor Lake. On va avoir le NPU. On est sur un écran en 16 pouces OLED 3,2K avec le IMAX Enhanced ANZ Certification. On va retrouver là aussi le Wi-Fi 7. On est sur une machine qui est intégralement en aluminium avec une très grosse connectivité, un touchpad. On va avoir l'intégralité du clavier avec le numpad. On va retrouver les raccourcis pour Copilot, bien sûr, et également pour le Acer Sense. On est sur une machine qui se veut aussi ultra fine. On est sur 1,6 cm à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment ultra fin. Et au niveau du poids, on est vraiment sur quelque chose d'ultra léger. Si vous voulez plus de puissance, mais toujours rester sur de l'ultra léger et avec de l'IA, vous avez également le Swift X 14. Le X veut tout simplement dire qu'on va retrouver une carte RTX de chez Nvidia. Ici, une RTX 4070, donc autant dire qu'on va avoir un maximum de puissance. Au niveau du processeur, on sera sur du Core Ultra 7. On va donc retrouver du NPU avec le AI Boost. On va avoir une dalle en 14,5 pouces. 16 dixièmes, 2,8K avec un taux de rafraîchissement qui sera en 120 Hz. La construction est intégralement en aluminium. On va être sous les 2 kg pour avoir toute cette puissance à l'intérieur de ce châssis. Châssis qui, comme on le disait sur les autres gammes Swift, est intégralement en aluminium avec une connectique qui est ultra complète. Et donc, on va retrouver bien sûr le Copilot, on va retrouver le Acer Sense, mais on pourra aussi profiter de l'IA par la carte graphique GeForce RTX en série 4000. Avant de passer à la partie gaming, on vous parle du Swift Edge 16, la machine en AMD, donc avec un APU en Ryzen 7040, mais qui est également disponible avec un Ryzen en 8040. On a une dalle de 16 pouces, 120 Hz, 3,2K OLED. On va avoir un clavier pleine taille et surtout, on est sur un châssis en magnésium, ce qui veut dire que la machine pèse uniquement 1,23 kg. C'est ultra, super, méga léger et avec une finition qui est vraiment ultra sympa puisque le magnésium, il y a ce petit toucher un petit peu spécifique. On va avoir un énorme touchpad, on va retrouver toute la connectique nécessaire comme le Wi-Fi 7. On va bien sûr également retrouver toutes les fonctions d'IA et plus particulièrement sur la série 8000. Ensuite, vous le voyez, au niveau de l'épaisseur, c'est également ultra fin. Ça va avec le poids, on est sur 12,95 mm. AI Gaming, c'est également possible chez Acer avec le Predator Triton Neo 16. On va retrouver un processeur en Core Ultra, donc avec un NPU. On va également retrouver de la carte graphique en pleine puissance avec de la RTX 4070 avec un TDP qui sera au maximum puisqu'on va avoir un système de ventilation qui est
beaucoup plus performant sur cette machine. Cependant, comme vous le voyez, on est sur un design qui reste relativement fin. On est sur quelque chose qui est entièrement en aluminium. Et malgré la présence de la RTX 4070 et du processeur en Meteor Lake, on est sur une machine qui fait 2 kg au maximum. Bien sûr, on va retrouver une dalle qui est de type 16 pouces, 16 dixièmes, 3,2K. On va également retrouver les fonctions de type Copilot pour pouvoir exploiter l'IA du NPU. Sachez aussi qu'au niveau de la dalle, on est vraiment sur quelque chose qui est plus orienté gaming puisqu'on va pouvoir aller jusqu'à 240 Hz. On termine sur écologie et IA puisque c'est possible avec la gamme Vero. La gamme Vero, vous le savez, elle va utiliser pour le châssis du plastique recyclé. Sur cette toute nouvelle génération, on va être à 60% de plastique recyclé. Et malgré le fait qu'on soit sur une machine qui intègre un châssis avec du plastique recyclé, on va quand même retrouver de la puissance et de l'intelligence artificielle puisqu'on va avoir du Core Ultra 7, donc du processeur Meteor Lake avec AI Boost. Et ensuite, on va retrouver le Wi-Fi 7 et toutes les fonctionnalités qu'on attend aujourd'hui d'un laptop. On va avoir un clavier qui va être en full size, un touchpad qui est très grand et on va retrouver la fonction copilote et également la fonction Acer Sense. Ensuite, on va également avoir d'autres produits de type Vero qui vont exploiter toujours ce plastique qui est recyclé, comme par exemple des routeurs, des claviers ou encore des souris.